Hello! Non, mais non, c'est pas ta chaîne! Ah, ok. Ok? Pourquoi je suis agressive? Voilà. T'as dit, on dit ce qu'on veut. Bah, mais on ne pas. Bah, j'ai même pas parlé, j'ai que fait ça. Ouais, non, pas ça. Bah, si, en fait. Hey, Broxistas! Hey, Broxistas, qui envahit le terrain. Et puis, j'ai même plus envie de dire Broxistas, mais juste pour elle. Hey, Broxistas! Oh, wow, c'est trop chaud. Go bicycle. Tim, 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 go bicycle. Yo, ouais. Go bicycle. Tim, 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 go bicycle. Yo, ouais. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec mes copains, donc Ombre, TBG et Farida, c'est quoi toi? Gramixo. Instagram c'est... Gramixo. TBG, Gramixo. Bref, tout sera écrit ici. Elle veut pas trop donc, parler, comme pas trop parler ouais, comme ça. Ouais, voilà. Donc comme vous nous aimez quand on est toutes les trois, parce qu'apparemment on vous fait super méga rire, vous aimez les petits moments croustillants, visiblement, donc j'ai décidé de faire une vidéo avec mes copains où on va raconter des anecdotes sur l'influence vidéo que j'ai trouvée sur la chaîne de Zue et Ben. Du coup, je me suis inspirée de ces questions et c'est parti. Vous êtes prêtes? Oui, on répond à toutes les questions. La vérité, rien que la vérité. Ça concernera uniquement l'influence, du coup. Ok. Donc, quelle question? Et on elle, ouais, vrai. Voilà. Donc, voilà. C'est même pas et toi, tu vas t'en aller. Elle soit non, du tout, j'ai noté. On y va? Alors, comment ont réagi vos parents au commencement de vos réseaux sociaux? Alors, comment vous avez annoncé à vos parents que ouais, là je fais YouTube, genre? Bah, rien! Ma mère était trop contente, elle était archi contente, franchement elle est super fan, elle regardait toutes les vidéos. Elle était grave contente. Moi aussi. Ouais, elle est super contente. Pareil. Et mon père, il a pas compris encore. Donc moi ça m'arrange en fait. Et il sait pas. Il est là pour du hasard. Si, en fait il a compris, mais pas trop. Pas trop. Il veut pas savoir, il est pas dans les bails d'internet, il connaît pas WhatsApp, ça sert à rien. Donc lui en fait, parfois il me dit, ah, on m'a dit que t'es une star. Elle aime bien, tu vois, ouais, elle a fait une vidéo. Ouais. Je vais rien dire. C'est normal, mais dis-lui que je travaille à la banque, chiap, sois normal, lui parle pas des réseaux sociaux, bref. Mais en gros, mon daron, vas-y. Ah c'est ouais. Nous, il en sait pas trop, et c'est comme ça. Mon daron, il en sait pas trop, et ça, souvent ça fait du bien. Mais comme on lui a dit que je suis devenue une star, voilà, c'est bon. Mais ma mère, elle kiffe de ouf. Bah, moi, mes parents, ils ont rien dit, pareil, j'étais archi content, et franchement, ils ont vraiment rien dit. Ils regardent, ma mère, elle regarde, mon père, il regarde. Après, quand on nous reconnaît dehors, ils sont super contents et tout, genre. Rien à dire. Moi, ma mère, elle me vanne, oui. Ah ouais? Ouais. Moi, ma mère, elle rigole, on m'a dit ça parce que. Tu t'es pas lavé? Dans la rue. Maman, on l'a déjà reconnu. Moi, ma mère, elle m'a mais pas dit. C'est très rare. Moi, ma mère, elle m'a pas dit, mais c'est ma soeur, elle m'a dit qu'on l'avait reconnue. Après, ma mère, c'est pas trop une ouais, mère, on la reconnaît souvent. Ma mère, elle est pas trop dans la rue. Ouais, c'est ok. Ouais. Moi, c'est. Bah, moi, mes parents, ils ont réagi comme ma mère, elle kiffe les vidéos, elle regarde tout de A à Z, sans exception. Elle regarde YouTube, Insta, ouais, maintenant Insta, Snapchat, si elle pouvait, si elle savait, elle allait regarder Twitter. Et on dit pas aussi, si elle savait. Si elle savait mime. Je vous nique. Ah, je rigole. Ah, jamais j'ai arrêté pour. Franchement, ah ouais. Mon père, tous les jours, par il contre... me dit il faut arrêter de dormir. Moi, je dis, mais je travaille, t'inquiète. Par contre, mon père, il sait que c'est mon travail. Et par contre, il a grave la rage. Tous les jours, il me dit, mais il faut que tu trouves un travail. Ouais. Il faut que tu trouves un travail, mais vas-y. Mais après, il y a des petites collabs et tout. Quand elle a trop de talent. Quand t'as trop d'argent. Après, il se dit, bon, continue, genre, travaille bien. Ouais. Genre, continue, genre. Attends d'abord, réserve d'abord. Après ça tu vas réussir ma belle. Attends. Il me dit ouais, essaye de persévérer tout ça, genre en gros voilà quoi. Mais ça c'est que quand genre par exemple quand il y avait la campagne pratique, j'étais dans les métros. Ah, ouais. Là c'est quelque chose c'est quelque chose qui peut comprendre. Ma mère tous les jours j'étais une clichéard. Après j'ai ok. Et mon père tous les jours il me dit, chaque fois que je l'appelle il me dit tu dors encore. Je travaille frérot, j'ai une marque, j'ai fait un petit truc tu vois. Ouais. Il me dit ah c'est bien.
Mais après, je peux pas trop en dire parce que c'est trop compliqué. Après, c'est chaud. Je lui dis, j'ai pas de talent. Des fois, il comprend, des fois, il comprend pas. Mais je peux pas trop pas. Tu vois, je lui dis, j'ai un travail, mais on sait pas. On n'est pas sûr. Moi, au début, ma mère, elle était en mode, t'es sûre, elle y croyait pas du tout. Et pour elle, c'était de la camelote et tout. Mais après, c'est après, ouais, c'est un crash test. Et après, quand elle a commencé à voir que des fois, j'étais plus généreuse que d'autres fois. Tu vois, ou quand l'argent, j'avais signé des contrats avec des, beaucoup d'argent et tout, ou que je pars en vacances et qu'elle a vu que genre en mode tranquille, je vis ma vie, j'arrive à vivre quoi, sans lui demander d'argent et tout, bah elle est en mode bah continue quoi. Votre pire expérience, sauce, Twitter, peu importe, votre pire expérience sur les réseaux. Touching cash. Oh. Ouais. Et carrément flemme d'en parler, mais c'était mon cauchemar, les gars. Ouais. Moi, c'est ma pire expérience. C'est ma pire sauce. Sinon, tout le reste, c'est de la branlette. Moi, les sauces, je les avale. Hey, moi j'en fais la raglade. T'en as eu beaucoup? Moi on peut pas me saucer. À part ça, là, parce que ça m'a trop énervé. Ça c'était trop une dinguerie. Est-ce qu'on peut dire notre meilleur? Oui, t'inquiète, il y aura. Okay. C'est ça. Ouais, en gros, c'est ma pire sauce, moi c'était ça parce que genre c'est trop une dinguerie de baiser. Genre, c'est ma pire sauce. J'étais au bout de ma vie. Genre. C'est ma pire sauce. Genre, il n'y a pas son 2. De toute façon, c'est la seule sauce qui m'a marqué. Tout le reste. Moi aussi. Bah franchement. Et toi? Je n'étais pas trop dans la sauce, moi. J'ai pas de pire sauce parce que j'ai pas de sauce. Ok, bah écoutez. Ok, ta meilleure sauce alors? Ma meilleure sauce, je sais pas, j'hésite entre celle avec Aïka et celle avec Zola. Parce que ça, c'était marrant de baiser. Les gars, c'était drôle. C'était marrant. Trop drôle. Moi, je suis pas encore sur les réseaux, je crois. Aïka, t'as même pas envie de savoir ça. Moi, Zola, je suis pas encore sur les réseaux, je crois. Ah ouais? Non. Si, t'étais. Je sais pas en fait. Non, je vous connais. On en a eu deux. En fait, moi, je préfère la première que. C'était la première qui m'a fait trop faire rire quand elle a dit qu'on était des house niggers. Après, elle a invoqué Lil Bobo. Elle a invoqué Michael Jackson. Mais elle existe encore, elle d'ailleurs. Bah, c'est Dieu qui sait. Elle a dit qu'on était des fucking négresses de maison. C'était marrant parce qu'en fait, ce qui était marrant, c'est qu'on a rien dit après tout le monde l'a vanné. En gros, on n'avait pas eu besoin. On n'avait pas eu besoin. On vous a bien défendu, c'était chaud. C'était non, mais c'était trop. Mais c'était quoi déjà? Je sais même plus. Je sais plus. Ah si, c'était parce qu'on avait fait la vidéo on imite les youtubeurs et après elle avait eu le seum et c'était ça. Ouais, après elle avait eu le seum et après on avait dit bon bah si t'as... genre si elle a le seum et ben on envoie un message. Non, parce qu'en fait on avait plus caricaturé son mec et après on a dit vas-y on envoie un message à son mec pour lui pour dire ouais en gros s'il a mal pris et tout, c'était vraiment c'était pour rigoler, c'était un amusement et tout, et après elle a commencé à dire ouais elle vient juste là dans mon lit, on va me retrouver dans le lit de son mec. Elle est comme quoi, et c'était tellement marrant. Ah non, elle est stupide. Enfin bref, ok, mais moi j'ai pas de meilleure sauce. Et Aïka, c'était quoi? C'est elle avait dit ouais que les noires elles allaient pas travailler, elles allaient pas avoir des disputes partenariales, elles allaient jamais travailler. Ah ça, j'étais là. Elles allaient jamais. Mais Aïka, c'était avant le truc, je crois carrément. Nous on allait jamais travailler parce qu'on disait des gros mots, etc. etc. Et bah nous voici. Voici, et là voilà. Parce que je sais pas, c'est quoi, on regarde même pas, mais on sait que c'est chaud. Bah si on voit pas, c'est qu'il y a rien. On sait que c'est chaud dehors. Alors, votre pire expérience avec des influenceurs? Avec dans quel sens? T'es peut-être embrouillé avec une influenceuse que t'aimais bien avant de t'embrouiller avec elle? Non. Ou quelqu'un avec qui t'as eu des petits, ça s'est un peu effrité par-ci par-là? En fait, on s'effrite beaucoup quand même. Donc mais non, on s'effrite pas beaucoup. Je vous jure les gars, si non, on est les chercher, on est les plus, enfin parmi les plus tranquilles. Non, franchement, je peux pas dire ça. Non, on n'est pas parmi les plus tranquilles. Moi, en tout cas, je suis parmi les plus tranquilles. Non, mais en vrai, nous tous les rajas qu'on a pu avoir, c'est on nous a cherché. Voilà. On n'est jamais celle qui nous raconte et qui veut dire une petite. En fait, moi je sais même pas parce que je calcule pas tellement c'est de la branlette. Genre, moi c'est pas un vrai haja pour moi. Les vrais hajas c'est dehors, c'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, je sais pas, j'arrive pas à... Mais en tout cas, je crois la pire connerie, je sais plus, c'était quand même. On parle d'expérience contre. Genre, en gros, on s'est embrouillé. On parle que des embrouilles ou une expérience qu'on a vécue entre. Ça peut tout être. Parce mais je sais pas si moi j'ai jamais vu un influenceur et je lui parle plus, je crois. Non, pour qu'on lui pas parle forcément ami, hein, mais ça peut être quelqu'un, une connaissance, comme un truc qui s'est passé en interne ou peu importe. Boji, peut-être que je vais. Moi en tout cas, le seul truc c'était avec Kadira DSB. Quand elle a. C'est ça le pire, mais en vrai c'est éclaté. Genre. C'est de la merde, hein. Mais genre en gros, je m'en bats les couilles, mais c'est le pire truc qui a pu m'arriver, quoi. Bah, parce que après, on n'est pas là pour ça de base. Ouais. On n'est vraiment pas là pour les dramas, en plus mais sur vraiment. Le dark web, faire des tweets interposés, faire des vidéos interposées, franchement c'est le cadet de nos soucis. Donc je crois que c'est ça. Mais de toute façon, je trouve que j'ai super grandi, je suis mature à mort. T'es moins impulsif qu'avant. Et pourquoi? Non, elle est moins impulsif parce que t'as pas vanné la petite tentue là.
Laquelle tantine? La petite tantine. En gros, dis pas de blase. Hein, voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est parce que je voulais pas lui donner du gaz. C'est pour ça que j'ai pas répondu. En gros, il y a une petite meuf comme ça, je la connais ni d'Adam ni d'elle. Okay. Même pas, je sais pas, c'est quoi. Zéro gaz. C'est, vas-y. Voilà, zéro gaz. Il y a une petite meuf comme ça, on lui a dit, ouais, tu ressembles à Ambre, etc. Et elle a fait une story genre méga longue avec plus de 20 snaps. Où elle répondait à tout le monde pour dire qu'elle était plus belle que moi, que comment ça, que, ouais. Que comment ça, on la prépare un truc. Ah merci, moi j'ai une tête de je sais pas quoi. J'ai regardé. C'était quand? C'était il y a même pas longtemps, il y a deux semaines max. Ouais. Et genre, je regarde genre, la genre, ça se trouve, elle est super longue. Genre, ses abonnés étaient là en train de sucer. Ouais, et en train de me descendre. Ouais, non, de pas du tout. Ouais, non, toi t'es trop belle. Ouais, non, voilà. Et elle repartageait. Elle repartageait. Mais elle est conne ou quoi? Ouais, mais, je fais ça en privé. Mais même, c'est pourquoi tu fais ça déjà? Ouais. Genre, si tu trouves que tu me ressembles pas et que je t'ai ouais, pas. Ouais, genre, y a okay, aucun problème, je m'en bats les couilles. Mais genre, le fait de faire ça, c'est ridicule au possible. Et je me suis dit, je vais même pas réagir parce que ça serait lui donner du gaz. Étant donné que je sais même pas c'est qui, je l'ai voilà, on sait pas c'est qui. On sait absolument pas c'est qui. Le jour on a su c'était qui là, c'est quoi? On nous a dit ça. On m'envoie. Ouais. En plus, il y a même pas beaucoup de personnes qui m'ont envoyé sa story, c'est-à-dire que je me suis dit, eh vas-y, en gros, si vraiment je réagis à ça, c'est-à-dire que vraiment moi je lui donne de la lumière à sa connerie, tu vois. Donc j'ai pas réagi, j'ai rien dit. Mais elle t'a identifié pour que tu vois que c'est tes abonnés qui sont venus. Non, c'est deux, il y a deux personnes en tout qui m'ont envoyé. Okay. C'est-à-dire que je me suis elle dit. Elle a dit son blase, genre. Voilà, elle a carrément screen mon ouais. Insta et elle l'a mis dans sa story. Ouais. Genre, c'est une dinguerie de faire ça, je me suis dit. Mais elle est grave culottée. Donc j'ai dit, vas-y, tranquille. T'as pas répondu. Je réponds pas. Maintenant, je vois quoi? Quelques heures après, non, le lendemain, on m'envoie encore ça sur Insta. C'est-à-dire qu'elle a transféré toute sa longue story de 20 snaps, même plus, sur Insta. Je me suis dit, elle cherche la merde, elle veut que je la goume. En fait, ce qu'elle cherche, c'est ma bouche. Elle veut que je parle. Et donc, au lieu de parler, genre, au pub, à tout le monde, genre, je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui envoyer un message assez ambresque. Et elle va me répondre, et là, on va voir qui est qui. Mais je te jure, elle a pas répondu. Ah bah c'était elle attendait que je en fait elle attendait que je l'incendie ouais. Sur la place publique pour ouais. Pour qu'elle puisse qu'elle avoir un peu de buzz voilà, avoir un peu de buzz voilà, en plus un peu de vues mais ma belle tu peux pas faire ça impossible bah elle est bien conne en tout cas et stupide. Elle m'a foutu la rage et franchement, je suis restée super méga calme. Carrément, Farida, elle m'avait dit, vas-y, fais-lui dire ça. J'ai dit, non. Moi, je suis mature encore, je suis désolée. Mais à un moment donné, je vous jure. Elle glande tous les jours, elle peut vous répondre. Perdona, non. J'ai la flemme, hein. Je vous jure que j'ai changé, ouais. Je ne suis pas là tous ouais. Les jours parce qu'avant, my god, tu me dis un truc, c'est mort. Tant qu'elle n'avait pas le dernier mot, si je t'ai pas nettoyé, si je n'ai pas fait la serpure avec ton visage, je ne vais pas laisser. Mais là, j'ai changé. Mais elle, ce qu'elle a fait, c'est trop. Ça j'aurais pas accepté. Franchement, ça mérite. J'aurais fait la raglarde jusqu'à ce qu'on finisse avec elle et après. Et en plus, j'aurais pu faire la même chose, genre scream sa vieille, parce qu'elle était même pas belle. J'aurais pu scream sa vieille belle foot exactement la même chose et ouais. Après on allait la laver tous ensemble en fait. Franchement ma gueule quoi, j'allais sauter dans le hachat donc on allait tous la laver tous ensemble, on allait peuple joyeux. Parce que moi, c'est plus ses abonnés voilà. Sont trop drôles. Mais après je me suis dit en vrai, je te jure elle mérite même pas. Ouais. Je suis une tantine, ça y est. Elle mérite vraiment pas ouais. Le pire c'est que mais à force de même si c'était pas elle, même si c'est quelqu'un, on sait pas c'est qui. À force justement de réagir tout le temps à, comme ça à chaud et tout, je me dis mais genre les gens ils doivent penser que genre je suis vraiment genre j'aime les histoires alors etc. Que pas du tout, alors qu'en vrai j'en ai rien à foutre, même quand je réponds comme ça c'est juste pour comme ça voilà. Oui, ouais. C'est pour rigoler comme moi-même ça. On gère comme ça mais voilà, c'est pour rigoler genre en mode vas-y je te tu te la racontes, ben je vais te montrer que voilà et puis voilà c'est la fin. Ça m'empêche jamais de dormir et quand je réponds ou je réponds pas ça me fait rien en fait. T'as quelque chose à dire? Non, en vrai si pour les gens qui nous connaissent dans la vraie vie, si vous nous connaissiez dans la vraie vie, on est les meufs les moins problématiques ouais. Même entre nous vous voyez il y a jamais de drama. Bah, on est pas vu au fond ouais. Parce que de base ça misait pas un centime ouais. Sur nous en ce temps. Ouais, on a discuté, copines là, des réseaux qui se sont rencontrés sur le dark web, on les voit plus, je vais pas dire de blase, mais... Attends, tu parles de qui? Ah, j'ai compris, elle parle de qui? Merde, ouais. Non, mais en gros, genre, nous, on s'amusait pas sur nous parce qu'on s'est dit, ouais, t'es grosse, voilà. Ouais, t'es moche, ouais... Je l'ai dit dans des petites sauces en mode, ouais, Farida, ouais, tu prends sa pote, ouais, t'as des gros pieds, ouais, en gros, c'est trop vanné. Donc là, vous vous êtes dit que nous, c'est une fausse amitié, les gars, vous savez, ça fait combien de temps qu'on a mis? On n'est pas dans les hajas. On est vraiment pas dans les hasards. On est là pour rigoler en fait. On est là que pour du fun. On est là pour rigoler. En fait, on est comme on est dans la vraie vie, on est pareil. Et justement, le fait qu'on se dise tout sans filtre, qu'on a vraiment. On s'en fout. Il n'y a jamais de. Il n'y a jamais de. Tu vas pas entendre. Il n'y a pas de non-dit. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Et ben, c'est pour ça que ça dure. Parce que. Même si demain vous allez me voir, Ambre n'est pas là, je l'ai vanné, c'est que la vanne, je l'ai déjà fait 10 fois et elle l'a vanné par cœur. C'est pour ça que je l'ai fermé. Parce que c'est ancré en elle. C'est ça en fait. Et genre, il n'y a aucun moment, je vais. Et même si je prends mal un truc, je vais lui dire à la seconde en fait. Genre, on va s'embrouiller tout de suite. Demain, c'est fini. On va s'appeler, on va la faire le sport. Hein? Demain, le soir même, j'avoue, on va s'appeler, on va à la salle de sport. Je suis pas promis dans la vérité. Genre,
Et ben voilà. C'est la pire expérience ou vas-y la pire une anecdote avec vos un de vos abonnés. Vous avez déjà eu? Non. Jamais. Pas. Mais si. C'est ça tout ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est quoi? C'est qui? Pourquoi tu pleures? Ah si. Aïe, non, non. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Non, en fait, non, moi j'allais dire de la merde, mais bah, un jour, et ben, il y a un, on nous a dit de faire un meet-up. Ah! Ah putain, c'est ma pire expérience. Ok, j'ai une pire expérience. C'est pour ça que tout à l'heure, quand elle a dit pire expérience avec des influenceuses, bah, genre, je me suis dit, parce qu'on était plusieurs dans cette situation. Vas-y, raconte, je connais pas. Bah, ma gueule, en fait, t'avais pas envie. Et les gars, on nous a dit, vous faites un meet-up avec plusieurs influenceuses. Il y avait Océane Mta, ouais. Il y avait Amy, KLMV, ouais. Il y avait qui encore Rihanna. T'es sûr? Oui, ouais, parce qu'on va voir Océane, ouais. Rihanna. Ah oui, c'est vrai, il y avait Rihanna, je me souviens pas, mais ok. Il y avait qui encore? Je me rappelle plus, mais c'est ce jour-là où on s'est connus. C'est ce jour-là où on s'est rencontrés. Ouais, c'est, on a connu Emma, Océane, Rihanna. Rihanna et Océane, on les connaissait déjà, mais sur les réseaux, genre, on s'était jamais rencontrés. Et après, on a fait un meet-up et il y avait Farida et moi. Eh. Mais qu'est-ce qu'on est parti foutre là-bas avec ma perruque, avec mon habit de salopette et ma perruque orange. Et les gars, il y avait 5 personnes qui se battaient dans l'octogone. Non, c'est vrai. Mais il y a personne, la gueule. Et de toute façon, heureusement qu'il y avait personne parce que le salon il était minuscule. On rentrait même pas dans le salon. On est resté. Il y avait même pas de gras, il y avait rien, c'était de la branlette de baiser. C'était super méga. Mais en fait. C'est pour ça qu'en fait quand vous nous parlez de meet-up, quand vous nous parlez de bail, on va jamais faire, je vais jamais. Bah après, mais maintenant aujourd'hui, votre communauté est beaucoup plus grande. C'est pas grave, mais dans tous les cas, c'est un traumatisme. Vous avez combien d'abonnés? Non, c'est vrai, non, pardon, je suis désolée, les gars. Quand on a fait le pop-up TBG, il y avait du monde, pardon. Ouais, mais c'est pas un meet-up. Ouais, c'est pas un meet-up. Genre là, il y avait un truc, ouais. Ils étaient venus chercher des produits, ils étaient venus nous dire, ah, trop belle. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, là, c'est que meet-up, je vais jamais faire, je vais jamais lire. Voilà. Moi, c'était une meuf. Elle faisait genre comme si elle me connaissait pas sur les réseaux et elle m'avait posé une question, tu vois. Et j'avais répondu, elle me disait qu'elle était pas bien et je sais pas, j'avais répondu parce qu'elle me faisait de la peine, tu vois. Et elle était hyper. Et je crois qu'elle était amoureuse de moi. Ah non, c'est pas ça alors. Toi, tu parles de qui? Moi, je crois que tu parles de la meuf de Twitter. Non, moi je parle de la meuf de Twitter, une meuf que t'avais contactée, que t'avais envoyé plein de messages. En fait, c'était une hater. Oh, j'ai eu ça aussi. Ouais. Mais en fait j'ai trop de trucs. Donc attends, la fille elle était limite amoureuse de moi. Elle voulait prendre des hôtels pour être à côté de chez moi quand je répondais pas et tout. Elle m'appelait, elle m'harcelait et moi genre je suis gentille. C'est à dire que des fois je suis occupée, je te rappelle plus tard, plus tard, tu vois. Mais elle insistait, elle contactait tous mes proches, elle se faisait amie avec des gens autour de moi pour genre en mode voir ce que je faisais, comment je m'habillais. Elle était trop bizarre. Un jour je l'ai bloquée parce qu'elle m'a fait vraiment peur. J'ai bloqué et après elle m'a renvoyé un message en mode mais pourquoi tu m'as bloqué? Mais t'es bizarre et tout. Elle savait où t'habitais et tout? Non, par contre, elle savait la ville. Je sais pas comment elle a su, mais genre elle savait trop d'infos sur moi. Non. Un peu comme une psychopathe, mais genre je la prenais au fur et à mesure du temps. Et en fait elle se faisait passer pour une fille genre en mode je suis enceinte, je viens de perdre mon bébé. Genre en mode tu sais qu'elle a les problèmes, tu vois. Donc t'as pas forcément envie de. Et elle a, je crois qu'elle avait pas de père ou pas de mère, sa mère elle venait de mourir, enfin il y avait plein de trucs. Et du coup j'avais de la peine, donc je parlais avec elle, je l'aidais et tout et tout. Et au final la fille elle devenait hyper bizarre avec moi. Je l'ai bloquée, après elle a cherché à savoir pourquoi et tout, et je l'ai plus répondu, elle m'a plus calculée. Et récemment encore, il y a pas très longtemps, quand j'étais en Tunisie en plus, il y a une abonnée à moi qui m'a envoyé un message sur une vidéo que j'avais fait et tout. Donc je parle avec elle, je sympathise comme une grosse conne. Et après carrément elle me donne mon numéro de téléphone parce qu'on devait s'appeler parce qu'elle devait me raconter un congo, ça de ouf. Et après je regarde ses tweets par curiosité comme ça, et en fait elle fait que de me vanner. Elle était sur le hashtag Elle nous avait raconté. Elle me fanait de ouf. Ouais, j'ai vu Keshia, ses jambes, ils sont comme ça quand elle marche. C'est vrai qu'on est contente. Ta gueule, toi aussi, tes jambes sont comme ça. Moi, non, elles sont comme ça. Après, ouais, Blazina, elle est trop moche. Elle me critiquait à la mort, je te jure. Et elle venait me parler avec des messages hyper bienveillants, genre. Mais c'est quoi ce bordel, toi t'es bizarre. C'est tout comme pire expérience avec mes abonnés. Depuis maintenant je réponds plus trop. Moi je vais l'avoir pour de vrai, je la conseille. Vous avez déjà eu une expérience genre en mode mal passé, genre tu sais avec la marque? Bah vas-y.
On n'a jamais eu de vrai. Vous n'avez pas eu un truc que c'est mal passé à l'ancienne African Mode. African Mode. Ouais, ça date ça. Ouais, ça datait de ouf. Mais après, on peut pas dire que c'est un mauvais. Moi, je les comprends en fait. On avait fait un partenariat avec eux et ils nous avaient envoyé des habits. C'était des calissons, les gars. Je suis désolée. Ouais, vous avez travaillé avec eux, moi aussi. Ouais, ouais, bah en fait, à un moment donné, on doit être honnête parce que je peux pas me respecter et faire semblant que j'aime trop le calisson que je porte. C'est impossible. Donc, on a fait la vidéo, on a vanné. La vidéo était tellement marrante. Ils vous ont dit non, non. Non, on a publié. Ils comprenaient pas. Ouais, oui. Je français. Et je crois, il y a des gens, ils ont mis en story aussi sur Insta. Et il y a des gens qui comprennent le français qui leur ont dit, mais vous comprenez, ils disent quoi là Et après, ils nous ont envoyé un message, tout ça, en mode, ouais, s'il vous plaît, vous pouvez supprimer la vidéo et tout. Alors que la vidéo était trop drôle et tout. Il y avait grave des vues, on a été verte. Et on a fait quoi déjà? On l'a supprimé, non, je crois pas. Si, je l'ai laissé quelques. On l'a pas fait direct. Ouais, on l'a supprimé longtemps après. Et quelques temps, on a supprimé, mais en vrai, je les comprends. Bah, en fait, je les comprends, mais c'était. Mais après, je les comprends, mais le but. Ouais, mais le but, bah, le but, c'est t'aimes pas, t'as le droit de dire que t'aimes pas. Oui, mais vraiment, en fait, on était trop virulents, je te jure. Aujourd'hui, même si j'aime pas. Avec du recul, je pense que. On dirait avec plus de tact. Ouais, plus de tact. On a trop vanné. On a trop vanné. Parce qu'avant, on était méchantes. Mais en fait, c'était le début. C'était le début, tu vois. On n'était pas notre activité professionnelle. C'est-à-dire que. C'était notre activité. On n'avait pas bien au début. On n'avait pas compris l'enjeu. On essayait. Et c'était même pas le même enjeu de toute façon qu'aujourd'hui. Genre, c'était vraiment. Vas-y, on rigolait en plus, on était à la fac. Genre, c'était marrant. Et genre, nous, on a fait. Notre but, c'était vraiment de faire une vidéo qui nous ressemble. C'est-à-dire qu'on a vanné les vêtements. Comme si, genre, comme on aurait comme pas si, j'ai acheté, j'ai reçu, j'ai pas voilà, je vais pas. On n'a pas pensé derrière, par contre, qu'on était rémunérés, tout ça, pour ça et tout. C'est-à-dire qu'en vrai, on a fait une D, mais. C'était archi drôle. C'était trop drôle. Et ça, je peux pas regretter. On aurait trop aimé avoir un masterclass. Vous l'avez supprimé ou vous l'avez mis en privé? Privé. La vidéo, elle est drôle. Eh, c'était tellement marrant. Waouh. Bah, ok. Bah, moi, c'était. Une marque, deux marques, une marque de chinois, c'était sinon sur Air, vous vous souvenez, ils voulaient pas me payer, ils me devaient plus de 1004 ou 1005 ou 1006, hein. Bref, ils voulaient pas me donner mon argent, les filles. Mais c'est parce que t'avais foutu la merde, parce que nous, ils nous ont toujours payé. Ouais, ils nous ont payé toujours en temps et en heure, hein, avant qu'on poste la vidéo même. En fait, c'est ce qu'on vous avait dit, de pas attendre avec les chinois, en gros, de poster pour attendre d'être payé. En gros, faut toujours leur dire, tu payes, ensuite je poste. Ouais, genre, on t'envoie une preview. Ouais. Mais comme... J'avais envoyé la preview, elle avait dit ok et tout, c'est bon et tout, non. Je dis ok et tout, donc je lui donne mon PayPal et tout. Elle me dit qu'elle va me le faire dans la journée, mais que je peux poster et tout, il n'y a aucun problème, tout ça, nanana. Et arrivé au moment où je poste, elle me dit il y a un petit problème dans la vidéo, c'est pas nos cheveux, genre. Mais comment ça, c'est pas vos cheveux? Mais vous êtes con ou quoi, genre? Mais maintenant, avec du recul, vu que c'était il y a 10 ans, c'était leurs cheveux ou quoi? Non, c'était leurs cheveux. C'était vraiment leurs cheveux. Mais la vidéo, je sors les cheveux du sac, je suis là, je la pose. Carré, c'est pas leur tulle, genre. Ah, bon. Non, c'est parce que c'était trop gâché. C'était trop mal poli. Elle a collé sa perruque tordue. Ça, c'est pas nous. Non, c'était eux. Et en plus, c'était une petite closure comme ça. Je me souviens comme si c'était hier. Chinosure, moi, leurs cheveux. Moi, c'était moi. Ah, moi, j'aime trop, hein, pourtant, la chinosure R. C'était. Mais ils ont dit t'as mal collé. Voilà, d'après eux. Et du coup, je leur dis, laisse-les. Mais même pas, j'ai montré la vidéo en plus. Sinon, je revenais. Non, ça, je crois qu'ils existent plus en plus, putain. Si, ils existent. Ah ouais? Oui, ils existent. Oui, ils existent. Peut-être que dans une blague, en tout cas, ils existent. Et donc, du coup, ils voulaient pas nous demander mon argent, les filles, j'ai dû trimer. Je m'en souviens, je crois. Ouais, et heureusement. Genre j'ai dit genre j'ai fait une story et il y a grave des amis à moi qui m'ont soutenu, des influenceurs également et tout. Et du coup, ils ont flippé et m'ont rendu mon argent, genre peut-être une semaine après, genre. Et j'étais trop contente. Et l'autre truc, c'était une meuf. Elle m'avait dit, est-ce que je peux lui faire de la pub parce qu'elle fait des mèches, genre elle fait des tresses. Ben, je lui dis ok. Donc je prends son flyer et tout, je partage sur mes réseaux sociaux. Et visiblement, ça, ces coiffures ne plaisaient pas à ma communauté. Enfin, genre ma communauté, elle n'aimait pas plus que ça. Enfin, genre, je crois qu'elle a eu des quelques ajouts, mais pas plus que ça, quoi. Elle m'envoie un message. Je sais plus, c'est une... Je vais trouver. Elle faisait quoi? Elle faisait des mèches, des... Que des mèches, voilà. Genre, en gros, elle faisait des braids, des vanilles, des locks, tout. Et elle me vient, genre, je suis en live sur TikTok. Et elle vient et je vois toutes tes pubs qui marchent même pas. Elle me parle mal. Et moi, je suis choquée. En fait, dans tous les cas, même le retour, même si t'as un ajout, à un moment donné, t'as eu de la visibilité. Si c'est gâté, tu veux qu'on fasse quoi de plus derrière? Et même moi, de base, je dis tout le temps, je ne suis pas une vendeuse. C'est-à-dire que demain, il m'est arrivé des fois que je vends un truc, je pense que ça n'a pas marché, et ça a marché de ouf. Ou un jour, je présente un truc pour la peau, et bah les gens, je sais pas, c'est pas le moment, ils ont pas d'argent, ils ont pas de. Enfin, dans tous les cas, quand tu payes une collab avec un. Tu payes pas. Tu payes pas la rentabilité. Mais exactement, tu payes pour la visibilité en fait. Tu payes pas pour être renta. Donc, faut que. C'était quand ça? Ça, c'était il y a un an, je pense. Ouais, un an. Un an, ouais. Mais il faut que
les marques sachent une chose, c'est que nous, nous sommes influenceurs. Oh, les marques, elles savent. Non, et je te mais pas forcément les marques. Les marques, elles savent. Les personnes qui viennent de commencer. Voilà. Les bêtises, en voilà. Fait. C'est ça que j'allais dire. Il y a que les bêtises qui peuvent se permettre déjà un truc comme ça. Toutes celles qui viennent de commencer, faut savoir que on sait pas parce que vous allez prendre une influenceuse que directement ça va vous faire ouais vous allez être une star hein. C'est ça dépend de plein de choses genre ça dépend de ce que tu le fournis de travail que tu fournis à part sur hein ça dépend du travail que tu fournis ça dépend de la qualité de ton image aussi enfin de ce que de même comment tu présentes prends, ouais voilà. Comment tu présentes tes articles et tout de ta page aussi qui est-ce qu'elle est attrayante c'est peut-être qu'ils sont allés regarder si ça les a pas intéressés genre il y a plein de facteurs c'est-à-dire que avant de dire oui vas-y je vais prendre une influenceuse pour faire ma page faut que tu sois carré voilà il faut que ton produit soit bien faut que ta prestation elle soit bien faut que ta page elle soit bien et que ça donne envie aux gens de s'abonner tout simplement. Merci. Si tu veux faire les notelettes et après c'est pointu comme ça. C'est ça en fait. Si tu veux encore dépiquer la chair alors que c'est plus la mode, tu veux faire enfin si maintenant du coup c'est la mode. Oui maintenant. Si tu fais les chaînes pas après derrière la mèche elle fait comme ça. Voilà, on fait comment. Alors avez-vous déjà eu un burn-out? Non. Franchement ça bosse pas très dur ici. Moi pas de burn-out mais dépression oui mais pas burn-out. Dépression par rapport au travail ou... Ouais parce que à un moment donné je vous connaissais enfin si je vous connaissais mais pas de ouf tu vois alors on n'avait pas des amis influenceurs enfin j'avais pas des amis tu vois qu'on le même métier que moi. On a changé ta vie ma belle. Oui ma vie. Oh non. Et donc du coup non mais oui mais attends je vais pas comprendre pourquoi je te dis ça et genre en gros le quand j'ai arrêté de travailler un vrai travail non mais que j'ai travaillé voilà et bah que j'ai plus de vie sociale et bah c'est là que moi ma dépression elle a commencé. Oh ouais. C'est-à-dire que j'ai tout le temps chez moi, je parle à personne, rien. T'aimes trop les tout gens. Le monde avait... Non mais genre tout le monde avait une conversation quand je suis rentrée et moi j'avais rien à dire parce que j'étais toujours dans ma chambre. Tu sais ce que je veux dire? Moi c'est pas grave, hein. Vous savez les gars, j'ai jamais eu de vie sociale, j'ai toujours été dans ma chambre. Ah ouais, moi ça enfin, j'ai de temps en temps. Mais moi en fait je suis grave casanière et j'aime bien quand on me parle pas. Je suis très taciturne, ça veut dire que je peux rester dans ma chambre super longtemps. Et je vais avoir rien à dire et genre tranquille mais je peux te comprendre parce que toi t'es quelqu'un qui est beaucoup de blabla tac tac et t'as fait une dépression par rapport à ça. Ouais de ouf hein. Ah ouais. Grave longtemps en plus hein ouais. Mais toi tu dis ça mais en vrai c'est une vraie dépression ou c'est la déprime? Non pas tout mélanger. Non j'étais vraiment pas mais quand je dis pas bien genre j'en pleurais et tout j'étais pas bien et j'étais contente que le week-end parce que je savais que j'avais du monde chez moi. Non que genre il y avait ma mère qui allait être là ou ma soeur qu'on allait pouvoir parler que je sais pas genre que mes cousines allaient venir à la maison et tout tu vois. Et bah, c'est le changement brutal de passer à tout arrière. Et je peux comprendre en fait, parce que même moi qui aime trop rester chez moi, parfois je me dis, je suis trop restée chez moi, faut que je sorte. Genre, je vais rester une semaine et je vais me dire, c'est une bonne. Mais quand tu veux sortir et que y a personne autour de toi qui peut, et bah, du coup, t'es en mode wesh. Mais c'est comme ça que j'ai commencé à voyager et tout. Ouais, mais moi en fait, je me dis, je veux sortir à la fin de la semaine, mais y a personne en fait, et je continue de rester chez moi, ça se fait pas. Mais, au final, maintenant, je pense qu'on est habitué donc il y a plus de choses. Je suis habitué en fait. Ah, les bâtards. Ouais. T'es où? C'est des bordel de merde. Toi, tu fais semblant, il n'y a aucun moment où on a arrêté de faire des FaceTime de chez nous. Ah, mais non, mais on parle pas de ça, ma belle. Calme-toi, concentre-toi. On parle pas du tout des FaceTime. Elle parlait de mais de elle peut appeler des gens. T'as appelé des gens. Mais oui, tu peux appeler des gens. Elle parle pas de ça, elle parle de sortir, de vivre. Avoir, vie, ouais, avoir de une voir vie, genre, tu sais, t'as des collègues, on te raconte des trucs, ta gueule. Mais si genre, elle parle de ça, c'est vrai. Non, mais non, je vois ce qu'elle veut dire des interactions sociales, mais réelles dans la vie. Mais moi, l'interaction sociale, c'est bien FaceTime. Oui, parce non, que nous, mais FaceTime, on est dans beaucoup de FaceTime. On est dans trop de choses, mais je vois ce qu'elle veut dire. Non, j'avoue, c'est chaud. Parfois, moi aussi, à la fin de ma longue semaine dans le noir. T'as besoin de. Après, j'appelle mes copines, je dis pitié, et après, non, je sais pas, parce que c'est des merdes. Ouais, bah, c'est souvent toi la merde, donc ferme. Mais toi aussi, hein? Non. Non, elle est beaucoup plus OP que toi. Moi, je suis tout. Hey, moi, ouais. C'est faux. Si, je te jure. Je vais vous dire un truc sur non, moi. Non, c'est vrai. À chaque fois qu'on me propose quelque chose, je dis jamais non. C'est très rare. Très rare. C'est très rare. Moi, je vous jure, ça fait. Je voulais aller au bar plein de fois. Mais on a eu une fois. Si, mais c'est parce que c'est nous, on est trop. Bah voilà, vous êtes des merdes. Mais nous, toutes. Ah non, mais moi, dès que tu me donnes une date ou un truc comme ça, ouais, c'est vrai que tout elle est beaucoup plus par rapport à toi. Toi, tu es en mode. Demain, non, j'ai la flemme. Non, c'est faux de baiser. Si, je suis casanière en fait. Mais parfois, c'est nous qui en fait, toi, il faut vraiment du temps psychologiquement accepter qu'on va sortir. Et moi, tu me dis même, tu m'appelles, tu me dis, ouais, tout à l'heure, viens. Ouais. Truc. Non, j'avoue, en vrai, je suis toujours chaud. Elle est toujours OP. J'ai rien à faire. Je suis toujours là. Elle est là. Tu vois, j'arrive. T'as trouvé quoi au dehors? Rien. Voilà, que j'ai pas trouvé dans la chambre. Moi j'aime bien sortir. Ouais, elle aime bien, en fait, de base, je suis. Non, me rapproche-toi un peu. On va dire que je suis casanière, mais je fais pas exprès. Parce qu'en fait, c'est juste que ouais, j'ai rien à faire en fait. Bah oui. J'ai pas d'amis, j'ai rien, tout ça. Moi je suis casanière. Mais dès qu'ils sont là, dès que mes amis ils ont un plan
Elle aime la vie. Elle a l'air. Ah oui. Non, non, c'est faux. Non, mais en fait, c'est pas ça. Moi, j'aime bien quand je suis avec les gens. Mais en fait, il faut vraiment que je sois arrivée pour aimer. C'est chaud de sortir de chez moi. C'est une... Ouais, c'est chaud. En fait, c'est chaud de te faire sortir de ta chambre. C'est une dinguerie, moi. Ah, c'est... Non, moi. Mais moi, je suis calme. J'aime bien être seule. Moi aussi, des fois, j'aime bien. Mais moi, souvent, j'aime bien être seule. J'aime bien être dehors. Vos meilleurs souvenirs dans l'influence. Nos meilleurs souvenirs dans l'influence. Ouais. Tes meilleurs souvenirs que t'as fait grâce à l'influence, grâce à, je sais pas, genre ton meilleur souvenir, ça peut être un voyage, ça peut être une marque avec qui t'as collaboré, que t'es hyper contente, ça peut être une anecdote, ça peut être, je sais pas. Il y en a beaucoup, hein, je te jure. Mais il y a eu beaucoup d'opportunités. Ça peut être TBG. C'est pas par rapport à l'influence, TBG, c'est par rapport au mindset. Ok. Oui, mais la vie. Ok. Fiché. Ok. Ça là, c'est sorti de notre tête. C'est pas sorti de l'influence. Non, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs. Donc je pourrais même pas choisir. Il y a eu beaucoup d'opportunités. Il y a eu des events. Même il y a eu le concert de Taiki. Genre c'était super bien. Tu vois, il y a eu beaucoup de trucs qui font que je suis reconnaissante. Mais après, le meilleur truc, je pourrais pas te dire. C'est vrai que c'est vaste. Il fallait m'envoyer pour que je réfléchisse en amont. Ah, parce c'est vrai. Et toi? Moi, le voyage PLT. C'était trop incroyable. C'était une grosse opportunité. Même après, ce qui en a découlé, genre les pubs. L'argent, elle m'a envoyé 150€, je crois, ou 100€. Ah ouais, oui, elle m'a envoyé moins. Elle avait trop d'argent, elle nous a envoyé de l'argent comme ça. Elle dit, tiens, j'ai reçu un virement, tiens. Arrête-moi, j'ai fait ça. Moi, voilà, je me donne un virement sur PayPal. Je suis malade. Ah, c'est quand elle a gagné la vidéo d'habitude, toi, c'était pas sur ça. Ouais, bah oui, c'était la vidéo, bah oui. L'argent que moi, elle travaillait. Non, ouais, la vidéo, les 1000 balles d'habitude, toi, c'est vrai, ça, je vous envoie. Elle nous a envoyé de l'argent. Mais sinon, ouais. Ouais, j'ai fait les courses pour chez moi. J'avais rien fait pour ça. Même moi, j'ai fait les courses pour ma mère. J'avais rien fait pour ça, c'est-à-dire que je peux partager. Ah. Mais l'argent que moi j'ai travaillé. Non, en vrai, c'est vrai que c'est. LPLT, j'avoue, c'était fou. Ouais, c'était trop fort. La pub dans les trucs, la replay, dans les métros. Le site internet, c'était trop. C'est une fierté. Et même genre. Ouais, et même genre le voyage en lui-même, genre les gens avec qui j'étais, tout, c'était trop. T'as créé des bons liens. Et franchement, c'est trop bien. Mais elle est encore jeune, les gars. C'est que le début. Attention. Merci. Donc, amen. Amen. Ouais, non, franchement, il y a eu beaucoup de trucs. Ok, moi, ok. Eh ben, prochaine question. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des gens dans l'influence, t'es pas obligé de dire le prénom, mais de qui je te méfie? De baiser quoi? Plupart, la majorité. Moi, je suis quelqu'un de très méfiant de base. Mais vous méfiez par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Genre, qu'est-ce qui fait? Non, c'est pas par rapport à. Même, tu m'as rien fait, je vais me méfier. Ok. Il y en a beaucoup, je me dis, ah, trop gentil, mais dans ma tête, dans un coin de ma tête, je me dis, je la connais pas pour de vrai. Tu vois, on a rigolé, deux, trois fois parce qu'on s'est vu à des events ou quoi. Mais Bélec, pourquoi pas? Bélec ou Guetteur, les gars? Alors, moi, on va dire que oui, forcément, je me méfie de personne, des gens et tout, mais je me méfie surtout par rapport à des comportements qu'elles ont eus. Ah, ok, cool. Mais sinon, genre, si la personne et tout, elle m'a rien fait. Moi personnellement, où elle a rien fait à quelqu'un que je connais ou quoi, bah j'ai rien. Et c'est surtout elle. C'est mon job, les gars. Moi, je suis là pour ça. Qui me rappelle. Attention. Les gars, restez calmes. Attention. Ça, ils vont passer dans aux événements et tout. C'est normal. Attention. C'est-à-dire que moi, je suis là. Moi, en gros, moi, je suis un peu celle qui est faux-folle. Elle est comme moi, un peu. Voilà. Je suis un peu candide, on va dire. Bon, même pas. En gros, c'est pour ça qu'il n'y a pas Ambre à un event bizarre que tu m'as vu là-bas. En gros, parce que c'est elle qui va faire la discussion et moi, je suis là. Et je regarde. Moi, je suis. Genre, j'attends, tu vois. Pour parler, je parle, je fais des petites apparitions, mais je suis pas trop. Je suis pas la vie de la partie, quoi. Alors que moi bah, je suis du coup c'est la vie de la partie. Pareil, moi je suis comme aussi la vie de la partie. Mais il y en a, je me méfie hein. Mais maintenant en fait quand j'entends elle a trop vu. Moi c'est j'ai ça, parlé. En fait. Moi ça. J'ai parlé, ça fait longtemps j'ai parlé. Moi dès le début, j'ai un truc qui fait que je vais sentir. Je veux dire, elle, j'ai un vent bizarre. La personne, si j'ai un vent pas en bizarre, je vais quand même me méfier, mais je vais pas dire si je te vois en bizarre si t'as rien fait, tu vois. Mais il y a des gens, juste leur regard, leur façon de parler, leur façon d'être, leur façon de se tenir. Je vais dire, souvent elle me dit, toi, avant elle disait, maintenant elle me croit. Ouais, maintenant je suis plus. On lui a trop fait, on m'a fait beaucoup de. Et je l'avais prévenu. Mais moi, on peut pas me faire.
Mais les gars, on peut pas me faire parce que même quand tu prévois de rien faire, je me suis déjà méfiée 5 ans en avance, donc tu peux rien faire. Mais en vrai, ouais, je me dis ça pour tout le monde. On m'a pas forcément fait, les personnes elles sont pas forcément bizarres ou quoi. Mais je suis quelqu'un de méfiant de base. Ok. Donc si vous me voyez avec des gens, c'est que vraiment c'est mes amis, c'est pas. C'est pas du n'importe quoi. Je suis pas là parce qu'on est influenceuse et que, et que vas-y. Bah, c'est ça bien. En fait, c'est ça que j'aime bien parce qu'en fait on a fait des bonnes rencontres. Ouais, c'est vrai. On a des bons amis. Généralement, ouais. Voilà. C'est vraiment ma copine. Voilà. Il y a Gabi, il y a Shaina, il y a Lady. Là, on a fait des belles rencontres dans l'influence. Franchement, on a des bons collègues. Ouais. Des bons collègues de jeunes. Ouais, des collègues de jeunes. Ouais. Et au même temps. Ouais, aussi. Et il y a plein de. Y a, genre, quand je vois les gens, les influenceurs qui aiment trop faire semblant. Ouais, dans l'influence, tout le monde est malveillant. C'est fou. Je sais pas quoi. C'est fou. En fait, je préfère le dire aussi parce que là, c'est dans la question. On a dit qu'on se méfiait des gens et tout. Mais il y a plein de bonnes personnes. Ouais. Personnes et il y a plein de personnes qui sont pas forcément intéressées. Mais vraiment. Tout le monde n'est pas des sorciers. N'est pas là pour gratter à la porte de quelqu'un. Voilà. Tout le monde n'est pas intéressé. Tout le monde n'est pas médisant. Tout le monde n'est pas fou, en fait. On est juste là. On est juste là, en fait. En fait, c'est comme dans la vraie vie. Il y a des gens qui, il y a des bonnes personnes, il y a des mauvaises personnes. Et ces mêmes personnes, ceux-là, sont dans la vraie vie. C'est comme ça, non, tu travailles en vrai. Influenceur que forcément. Voilà, t'es hypocrite. T'es méchante, t'es hypocrite, t'es une vipère et tout. Non, c'est pas là. En mode t'en veux parce que t'es influenceur, ça veut rien dire. Ouais. Ça veut vraiment rien dire. Et c'est pour ça que moi j'ai bien appuyé sur le fait que je me méfie, mais pas forcément parce que je vois les gens bizarres. Oui. Mais des fois je les vois vraiment bizarres. Mais je me méfie. Bah, y en a qui sont bizarres, parce que il y en a qui sont bizarres, mais en gros je me méfie juste de base. Mais il y a plein de bonnes personnes et vraiment. Je pense qu'on va découvrir encore plein de bonnes personnes. Ouais. Mais. C'est sûr. Tu vois, les gars, faut faire attention. Et je parle même pas que dans le monde de l'influence, faites attention. Dans tout, partout. Ouais. Dans votre vie, dans vos, au travail, partout. Même votre famille, même. Ouais, souvent faites toujours attention. Très important de se méfier en avance, comme ça tu peux être agréablement surpris comme tu peux être choqué. Bon, il n'y a pas besoin de se méfier tout le temps comme ça. Parce que tu peux être agréablement surpris, c'est toujours mieux. C'est vrai. Hein. Et quand on te fout la merde, tu t'y attends. Dans l'autre sens, le verre à moitié vide. Ouais, moi, je vois le verre à moitié plein. Mais après, ça dépend, ça. C'est pas tout le temps. Ouais. Parfois, c'est le contraire. Ouais, c'est vrai. Pour le travail. Ouais, professionnellement. Pour le travail, moi, je suis très optimiste. Elle est pessimiste. Ouais, et genre, c'est moi qui va la rassurer. Et pour les gens, genre, elle est grave optimiste. Ouais. Et moi, je suis pessimiste. Parce que moi, je vois le cœur blanc de tout le monde, en fait. Ouais, sauf qu'il y en a, c'est une heure comme ça. C'est très bien. Mais je tiens à dire quand même, il y en a, c'est la plupart du temps, et ben, c'est des bonnes rencontres. Souvent. Souvent. Moi, c'est j'en ai pas eu des si mauvaises que ça. De toute façon, j'ai pas eu de mauvaise rencontre, moi, en vrai. Ouais. Merci Dieu, je me suis déjà méfiée. Donc, c'est pas une rencontre. Ouais, on n'est pas allé au stade où je t'ai considérée comme ma copine. Ouais, voilà, où t'es confiée et tout. On n'est pas arrivé à ce stade où je t'ai considérée comme ma copine. Donc, j'ai pas été déçue, j'ai pas été choquée. Personne ne m'a choquée dans ce milieu et je pense que personne ne me choquera. Après, on sait pas. Je touche le bois. On t'a dit que t'as choqué. Pourquoi t'as bouché trop? Mais c'était sa copine. Ouais, je croyais que c'était ma copine, mais en fait c'est ma copine. Ah non, tu crois tout le temps. Oh, tout le temps, elle dit ouais, c'est ma copine. Je dis ta gueule, c'est pas ta copine, c'est moi ta copine. Mais c'est même pas une question de je veux trop être sa copine. Je m'en fous. Ouais, mais tu disais que c'est toi sa copine. Mais en gros, c'est moi ta copine. Je fais très attention. Souvent, je lui dis, hé là, mais c'est ma copine, tais-toi, vas-y, c'est bon. T'es Farida, tais-toi. Ok, j'attends. Moi, du coup, après, j'arrête de parler. Je le regarde. J'attends le jour où elle vient me dire, c'est pas ma copine. T'es déçu? Et c'est pas sa copine? Non, je m'en fous. En fait, mais juste, voilà. C'était sa copine. C'était ma copine. Ok. Mais c'est pas sa copine. Tu vois, moi, il y a des choses que j'ai fait pour les gens que j'aurais pas fait si je savais qu'après ils allaient se comporter comme ça. Ouais. Et moi, c'est un truc que je vais rien faire si je suis pas sûre. Ouais. Voilà. Et avant qu'elle fasse la chose là pour les gens, je l'avais prévenue, je lui avais dit, est-ce qu'elle, elle aurait fait pour toi? Et voilà qu'elle ne va pas faire pour toi. Même un plus petit truc, elle va rien faire pour toi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est méchant. Et après, la vie, c'est pas ça. Tu fais pas dans l'attente. Tu fais pas pour ça. C'est pour ça que. Je m'en fous. Il est même la personne et tout. Oui, mais non, mais quand tu considères quelqu'un minimum, ouais, voilà, c'est juste un minimum. Tu fais pas dans la vie pour recevoir. Mais oui. Mais en gros, souvent faut réfléchir parce que là, c'est on parle professionnellement, tu vois, les gens ils travaillent, elle derrière elle va se faire des tailles et tout. Quand tu fais un truc, en gros, pense aussi à toi. Ah, c'est une autre personne maintenant. Hein? Oui, voilà. Bah en gros, quand tu fais en gros, quand tu fais un truc, pense aussi à toi. Surtout quand la personne, elle va se faire un bon bénéfice derrière, faut penser à ça. Là, c'est pas une question de, on m'a dit d'accompagner je sais pas qui et je vais penser, est-ce qu'elle l'aurait fait pour moi? Non, ça, c'est un vieux truc. Ouais, là, on parle de taf, quand même. Là, c'est méchant. En gros, c'est grave méchant. C'est, pour des trucs tout cons, tu veux pas aider, c'est méchant. Bref, dernière question et après, c'est terminé. Y a-t-il une remarque que vous détestez qu'on vous dise, enfin, ou vous en avez marre de l'entendre à chaque fois sur les réseaux à propos de vous? Sur les réseaux. Sur le réseau, quoi. Genre une remarque, même ça peut être dans la vraie vie aussi, quand on le voit. Toi, je sais que ça va être Moi, c'est grave petit, mais en vrai, je m'en fous.
Ça, c'est pas une remarque qui me saoule, ça va. Le truc qui me saoulait, il y a plus rien qui me saoule aujourd'hui, hein, mais le truc, si, il y a un truc qui me saoule de baiser. Mais le truc qui me saoulait, qui me saoule toujours, en fait, c'est qu'on me dise que je souris pas assez. Genre que j'ai l'air aigri. Ouais, ça c'est le truc qui m'énerve de baiser. Mm. Parce qu'en fait, c'est des gens qui regardent pas forcément pour de vrai les vidéos, parce que si il y a matière à sourire, en fait, je vais pas me retenir, je suis mal à être vénère de sourire, non. Mais je souris pas pour rien. Et en fait, ils s'attendent à ce que je fasse, je sais pas, des vidéos toute la journée, faire des photos comme ça. Non. Ben, moi, j'aime bien. Oui, mais parce que, en fait, c'est. C'est juste pas expressif du visage. Si, je suis expressif quand il faut, en fait. Quand il faut, en fait. Non, ça, c'est. Y a rien qui m'énerve plus que ça. Parce qu'en plus, ça, c'est un truc qu'on dit qu'aux femmes. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais jamais un garçon, tu vas lui dire, tu souris c'est pas. C'est vrai, en plus. C'est parce que je suis une femme, vous attendez à ce que je sois souriante. Oh, féministe. Parce que je suis une femme. Féministe. Ouais. Non, mais c'est. Si mon c'est une question de féministe. Non. En gros, parce que je suis une femme, on s'attend, la société attend de moi que je souris. Mais arrête de faire ça, c'est la vérité. Non, mais je vous jure. Arrête de minimiser sa peine. Okay. Non, mais c'est vrai qu'on attend de moi que je sois tout le temps souriante, que je me plaigne pas, tout le temps de bonne humeur, parce que. Vas-y. C'est comme ça, t'es une femme, en fait, sois souriante, faut que tu sois agréable à regarder. Mais non, en fait, si comme je vais moi. Être une craquette, pas sourire, être moche, je souris pas et je suis moche. C'est quoi le délire? Quand vous voyez des garçons à visage serré tous les jours, j'aime bien sexy, ouais. C'est sexy, c'est charismatique. Pourquoi moi tu me dis pas c'est sexy, c'est charismatique? C'est pas sexy, en fait. Toi, vous ah sourire. Mais en fait, je veux pas sourire. Vous savez en plus que le pire, c'est que je souris beaucoup. Mais quand tu souris, après tu fais ça. Ah ouais, tu mets toujours ta main devant. Et alors, ça se voit que je souris. Dans tous les cas, je te vois mes dents. Pourquoi en fait? Pourquoi? T'es dans des voyants. Y'a rien à voir, frérot. Non, mais en vrai, non, mais je souris vraiment beaucoup, je trouve. Ouais, même un peu trop. Avant, je sais que j'étais méchante, genre vraiment, je voulais pas sourire, j'avais pas envie, ça me faisait pas rire, personne était marrant, je rigolais pas. Mais je souris beaucoup. Donc, m'en demande pas plus, en fait, j'en fais déjà beaucoup là. Je donne déjà beaucoup de ma personne. Ok, ok. Ouais, pardon, mais très fâché. La question d'avant, t'as pas répondu. C'était quoi déjà? C'était quoi? Toi, tu réponds toi aux questions? Bah oui, je réponds. Mais non, mais la question, genre, ta plus belle expérience. Ah, bah j'ai pas répondu. Je pense que ça va être à Foundation, ça va être trop bien. Attention, moi ça va être une belle expérience. Non, c'est vrai, moi je trouve ça va être trop bien parce qu'il y aura tous nos amis. Mais vas-y, en fait, ce qui me saoule, c'est que vous êtes pas dans la même maison que nous, c'est ça qui va faire ouais, que c'est pas pareil. Je suis juste en face en plus. De nous hein. Non, du pas. Festival. Ouais, tu vois, et pas en face de nous. Putain, de la chance. Donc, moi, vas-y, toi, ton truc que tu. Moi, je crois que ce que j'aime pas, c'est les remarques. C'est tout bête en vrai, on me dit pas grand chose à part tout le temps quand on vient me dire ah, t'as maigri ou ah, t'as grossi ou ah, t'es enceinte ou des trucs comme ça. Ça, je déteste. C'est un truc que je déteste parce que je vous ai rien demandé. Genre. On m'a jamais dit merci de jeu, hein, je suis. Ah ouais, moi, on m'a toujours dit, on m'a dit ah, t'as grossi ou oh, t'as hyper maigri ou ah, t'es pas enceinte, t'es sûre et tout, des trucs comme ça. En fait, on m'a jamais dit, mais c'est parce qu'ils savent, je sais pas comment on fait. Déjà dit enceinte. C'est pour ça, on m'a jamais dit enceinte. Sur TikTok. En live. Moi, ils savent que je sais pas. Moi, enceinte, il y a qu'une seule personne qui m'a. Mais c'est une dinguerie de dire ça. Et c'était une américaine. C'était moi. Non, c'était pas un abonné. C'était Hamza. C'était pas un abonné, c'était quelqu'un en gros que j'étais partie. Hamza aussi. C'est qui Hamza, wesh? Il a dit félicitations. Ouais, c'est qui? Un mec qui était dans notre lycée. Yeah il a dit gris, il a dit félicitations. Non, il a dit félicitations parce qu'elle était enceinte. Ah! En mode, je dirais que c'est enceinte parce que ça faisait 8 ans peut-être que je l'avais pas vu et après il m'a dit félicitations. Oh, le chien. C'est un truc que je déteste. Genre, tu peux. Non, il a pas fait exprès. Non. Arrêtez, j'aime trop Hamza. Franchement, tu veux. Non, pas Hamza. Je te parle. Non, genre, en t'as accouché, t'es ensemble, truc comme ça. Je déteste qu'on dise ça. Non, il savait pas, il était débordé. Ouais, après, il était débordé. Après, je me suis dit, ouais, merci et tout. En plus, je rigolais de baiser. Et enceinte, on m'a jamais dit. Et on m'a jamais dit, même t'as grossi. Mais moi, en fait, j'ai un corps qui fait qu'on voit rien. On sait pas si j'ai grossi, on sait pas si j'ai maigri. Je suis là pour du hasard, encore une fois. Mais si, on t'a dit que t'avais maigri. Maigri, oui, mais on m'a jamais dit t'as grossi. Alors que souvent, j'ai attendu des pics de long retour, quoi. Et toi? Moi, ce qu'on n'arrête pas de me dire, c'est. En fait, c'est un truc qui m'énerve. Je sais, c'est quoi? C'est quoi? Est-ce que c'est. Tu t'assumes et tout pour une. Pour une grosse. Une femme ronde. C'est ça qui m'énerve. Ouais, moi aussi, ça m'énerve quand on lui dit ça. C'est une phrase. Genre, en gros, les grosses, elles doivent pas s'assumer, non, quoi. Non, c'est même pas ça, c'est une phrase hyper hypocrite, en fait. C'est con. Ouais, c'est con dans le sens où. Tu trouves ça hypocrite dans quel sens? Bah, c'est parce que, du coup, tu me dis, ouais. Tu t'assumes, t'es super belle, tu t'assumes comme t'es, quand. Ça sous-entend que c'est pas la normalité. Voilà, qu'il y a un truc vraiment bizarre. Après, c'est pas normal, hein. Franchement, moi, je vais pas de mettre de son côté, mais ça sous-entend qu'elle est pas normale. Voilà, ça dépend qu'il y a un truc vraiment horrible que j'ai et que je devrais pas, que j'aurais du mal, que franchement, les autres, ils ont du mal à assumer, mais c'est bien parce que moi, je l'assume comme, genre, je m'assume comme Mais c'est-à-dire, vous dites jamais ça à quelqu'un qui est mince, ouais, c'est vrai. Et standard, entre guillemets. C'est-à-dire, quand quelqu'un vient de voir, te dit ça, j'aime trop et tout. En fait, maintenant, je dis merci, elle s'en fout. Je dis merci parce que j'en ai rien à foutre. En vrai,
j'ai la flemme d'expliquer pourquoi la personne elle est pourquoi bizarre, elle tu vois. Voilà. Mais en vrai, ça m'énerve. Ça m'énerve. Bon. Ma pète. Ah, okay. Non, je fais depuis tout à l'heure. Après, quand je me lève, ça sent des pétites. Ouais, je vois, c'est quoi, c'est là-bas. Coincé dans mon cul. C'est coincé dans ton coussin de cou que tu vas aller en vacances. Tu coupes, hein? Non. Je vais Et genre, ouais, c'est, en gros, je trouve que cette phrase, elle est hyper hypocrite. Elle est même. En fait. Elle est problématique, tu trouves? Ouais, je trouve qu'elle est problématique, mais en même temps. Non, mais c'est du faux soutien. Voilà, c'est, ouais, voilà, c'est ça. C'est du faux soutien. Soutien, c'est hypocrite. Genre, c'est vraiment hypocrite. C'est de la branlette, on s'en fout. Et après. Que ouais, je suis fière que tu s'assumes. Et sinon, ouais, c'est grâce. Je vais pas dire un gros mot. Grâce à toi. Après, je leur dis, ouais, c'est bien. Voilà, grâce quoi, à toi, je m'assume. Grâce à toi, je m'assume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'as vu que moi, j'étais super grosse et que toi, en vrai, ça veut dire que toi, ça va. Genre, tu me trouvais dégueulasse, mais comme moi, je suis encore plus dégueulasse. Moi, ça va. C'est pour ça que je me suis assumée. Et que je suis dégueulasse. J'ai vu que c'était plus chaud de l'autre côté. J'ai dit, ah bon, il y a plus pire. Quand tu me dis, ouais, grâce à toi, je m'assume, alors que j'ai même pas fait de grandes phrases pour dire, ouais, juste toi, c'est positif. Franchement, ça veut dire positif. Non, oh, c'est fini. Et ouais, de toute façon, bah voilà, c'est ça que j'aime pas et tout. Mais en vrai, en fait, si vous pouvez éviter de me dire ça, c'est ouais, carré. C'est très super. Par contre, le truc de sourire, elle a raison. Je veux plus vous entendre en fait, parce que ça me casse. Voilà. Je veux plus vous entendre parler de mon poids. Bah t'as qu'à arrêter. Ferme ta gueule. Non, parce qu'elle tu la fermes. Et ensuite, Ambre, elle veut plus entendre ça. Vous lui dites plus. Elle ça. Veut plus entendre que. Que oh, je m'assume fait. Grâce à toi et toi. Que oh, j'aime bien, tu t'assumes. On s'en fout. Ouais, voilà. C'est vraiment. Chacun il est comme il est. Il y avait pas une rêve comme ça? Chacun est comme il est. Non, il y a pas? Je crois. Je vais chercher. Ça me dit. Nous, on est là comme on est. Je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous, on est là comme on est. Ah, putain, elle est bien. Voilà. Donc, si vous voulez être les meilleurs, soyez les meilleurs. Alors, c'est maintenant la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et suivre. Et suivre mes amis. Ah oui. Ah, suivre mes amis. Snapchat, tout partout. TikTok, je mets tout moi. Voilà. C'est cette année. Voilà. Et en plus, soyez prêts. Hein, parce que bientôt, ça encore des vidéos ensemble. Hein. Ouais. On va leur mettre dans la gueule. C'est. Allez. Terminé. On coupe. Coupez. Tim 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 go bicycle, you want a go bicycle.